Un jour un vlog, un cadeau numéro 3, c'est parti! Je vous retrouve cette fois-ci de bon matin en plein petit déjeuner avec les enfants. On a Liam qui joue avec sa nouvelle petite maison qu'on a fabriquée ensemble hier. C'est une fabrique à biscuits. Il a déjà ouvert son calendrier de l'Avent. Hein, Titou ? T'as eu quoi dedans ? Des chocolats. Mmh. Elena, elle est avec son bibi. Elle se touche l'oreille. Elle est bonne ? C'est quoi ? Elle est bonne la brioche ? Cette année, je leur ai pris ça comme calendrier de l'Avent. Je l'ai trouvé chez Verbaudet. Et j'en ai pris un aussi pour Léna. Mais en fin de compte, j'ai pas trop envie de lui donner un chocolat par jour à Léna. Et j'avais pas trop le temps de m'occuper de trouver des petites figurines non plus et tout. Donc voilà, bah, cette année, il y aura que Liam. Je pense pas qu'elle s'en rende trop compte. Et du coup, on lui a glissé quelques petits trucs. Mais on n'a pas fini de le remplir encore. Les gars, il se passe un truc improbable ce matin. Il est 9h10 et les enfants sont déjà prêts à sortir, à passer le pas de la porte. L'école ouvre à 9h. Pour le coup, nous sommes en avance. Gros coup de flip, j'arrive à l'école et je vois ça. Ça va, la deuxième est là. Petite pause déj avec Johan et Léna. Tous les midis, on est tous les trois du coup. Rituel. Liam, il est à l'école et nous, on déjeune avec Léna avant de la mettre à la sieste. Je suis désolée, je vous ai pas pris de la matinée, du coup j'ai pas arrêté, j'ai dû filmer une vidéo pour un site. En fait, cette vidéo elle sera sur une fiche produit d'un site. Généralement Léna, après quand elle est fatiguée, elle s'annonce sur son... Tu veux faire dodo? Tu veux aller faire dodo? Non. Non. Pas dodo? Tu veux un petit suisse? Un petit yaourt? Comment on dit papa? Papa. Mmh. Papa. Et maman? Papa. Comment elle dit maman? Maman. Maman. Papa. Maman. Comment elle dit? Comment elle mange le petit suisse, Léna? Bravo, Léna! Tu crois que tu vas attraper mon appareil avec tes mains toutes cracra? Ouais. Cracra. Moi, je me suis remis sur mon ordinateur. Je voulais aller chez Kazar acheter de la fausse neige là, mais j'ai pas encore eu le temps aujourd'hui. Là, faut que je me remette sur le logiciel. On a découvert un nouveau logiciel avec Laura pour gérer le compte Instagram d'Ivy Lista notamment. Puisqu'avant, on avait une personne qui s'occupait de ça et elle a trouvé un travail à temps plein ailleurs. Donc je suis super contente pour elle. Mais du coup, elle nous manque beaucoup. Et là, en attendant de trouver une personne intéressée ou quoi, enfin, on n'a pas encore passé d'offre parce qu'on... On essaie de le faire nous-mêmes. Laura, elle a pris en main les stories. Et moi, je m'occupe du compte Insta, donc des posts. Donc en fait, pour vous montrer un peu comment ça se présente, du coup, là, j'ai le logiciel. Il s'appelle Later. Et du coup, on le teste. Il a l'air pas mal. On a la version gratuite pour l'instant, mais peut-être qu'on va passer à la version payante. On a toutes nos photos ici, des photos d'inspiration aussi. Et ensuite, petit à petit, je les glisse. Je lui dis l'heure à laquelle je veux poster. Je fais la légende, je retouche un petit peu. Et comme ça, j'ai tous mes posts qui sont prévus pour la semaine. Ça me rappelle un peu mon tout premier métier quand j'ai commencé à travailler. J'étais community manager et à l'époque, ça n'existait pas, ce logiciel. Nous, ça n'existait pas Instagram déjà à l'époque. C'est vous dire. C'est vous dire que ça date. Mais bon, ça me rappelle trop mon premier métier. Bref, du coup, je vais faire ça. Une fois que j'ai fini ça, j'ai des stories à faire, des photos à faire. Et peut-être après, j'ai le temps d'aller à Casa avant d'aller récupérer Liam à l'école et Léna de sa sieste. Bon, j'ai acheté la neige, mais j'ai pas pu m'empêcher d'acheter une petite déco. Je sais, j'en ai déjà beaucoup. Mais j'arrive pas à m'empêcher en fait. Dès que je vois un truc de Noël trop beau, la tentation est énorme. Sans transition aucune, pour le cadeau du jour, je vous propose de remporter un kit pour vos règles de la marque Dans ma culotte. C'est moi les culottes de règles que j'utilise. Donc le kit sera composé de 3 protèges slip, de 3 serviettes hygiéniques,
de deux culottes et d'une tisane bien-être menstruelle. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de produit, en fait ce sont tout simplement des produits hygiéniques réutilisables, lavables. Donc moi ce que je fais, c'est que généralement je les détache un petit peu avec du savon détachant avant de les passer en machine à 40 degrés et ensuite je peux les réutiliser à chaque cycle. Donc du coup ça fait beaucoup moins de déchets pour la planète. En plus de ça, je les trouve super absorbants, on est au sec dedans, enfin vraiment je valide. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Si vous voulez vous lancer, du coup, c'est l'occasion. J'ai aussi un code promo de 15% jusqu'au 3 janvier. C'est le code BEAUTÉACTIVE15 si jamais vous voulez tester cette marque. Donc pour participer, comme d'habitude, vous avez juste à suivre la marque Dans ma culotte sur Instagram, à me suivre moi, à laisser un commentaire avec en précisant votre compte Instagram sous cette vidéo, à liker cette vidéo. De toute façon, je vous remets les infos dans la barre de description si vous avez peur d'oublier quelque chose. Il y en a aussi qui me demandent si leur compte Instagram doit être en public. Alors non, pas forcément tout le mois de décembre. Par contre, début janvier, la première semaine de janvier, je dirais, au moment où on va faire le tirage au sort, là, faudrait être en public. Pendant que j'y pense, je voulais vous refaire un petit point salle de bain. Alors, comme je vous avais dit, on a une fuite au niveau de la douche et du coup, ça a tout endommagé. Regardez le carrelage. À quelle vitesse c'est allé là, au sol, tout ça là. Ça fait que revenir. On n'arrête pas de nettoyer, ça fait que revenir. Et le pire, ça reste ici. Enfin, le pire. Non, mais je veux dire, ça fait que se propager. Je me demande si ça s'est pas arrêté un petit peu là depuis. Mais on en parle ou pas de la moisissure au mur et même au sol. Donc du coup, il y a différents experts qui sont venus. Ils n'arrêtent pas de venir, de faire des allers-retours. Parce que du coup, il y a un expert qui va changer le carrelage. Il y en a un autre qui va repeindre en fait... la peinture quoi, qui va réparer les dégâts. On va aussi en profiter du coup pour changer notre robinetterie parce que je suis pas du tout fan de celle-ci. Regardez l'état d'usure dans lequel il est. Et du coup en attendant, bah, on n'utilise plus du tout cette salle de bain du haut. Là normalement il doit venir incessamment sous peu pour tout réparer. Ah, et regardez là-bas aussi. Derrière. Vous voyez l'état du mur ou pas? Qui gondole. Ça devient orange et tout. Et ça en un mois quoi. Tout ça c'est apparu. Avant il n'y avait rien du tout. Donc voilà, on prend notre mal en patience. Et voilà, il a neigé sur mon sapin. Je suis bien contente, il est trop beau comme ça. Et du coup j'en ai profité pour enneiger la petite couronne là-bas en haut. J'ai mis le petit sapin que j'avais acheté. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Je pense que là à droite... je vais mettre des petites bougies. Je suis trop contente parce qu'on vient de me livrer ma nouvelle télé. Je pensais pas la recevoir avant jeudi. Je ne connais absolument pas cette marque. J'ai regardé les deals Black Friday et je suis tombée là-dessus comme un bon rapport qualité-prix. Ce qui m'importait réellement, c'était la fonctionnalité Netflix, Amazon Prime et YouTube. Bon, j'ai récupéré mes petits bouts. Je viens de faire un petit shooting avec Liam là devant le sapin. Il adore se prêter au jeu des photos, des vidéos. Du coup, je me suis dit, je me bloque un moment pour leur faire des photos avec mon bel appareil. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'en fais tout le temps avec l'iPhone comme ci, comme ça. Mais c'est bien de temps en temps d'avoir des photos de bonne qualité, qu'on puisse encadrer, garder pour plus tard, imprimer sur des albums et tout. Behind the scene. On a plein des trop magnifiques. Hein. Hey, à l'attaque! À l'attaque, vite! Elle a pris la caméra, la copine. Oui, copine. Allez! Non! Non! Quoi? Comment elle dit maman, maman? Il y a deux secondes, elle disait maman, 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 maman. Papa. Mais vraiment, dès que je prends la caméra, elle dit papa. Maman, 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 tu disais. Papa. Les gars, je viens de retomber sur un truc et il faut absolument que je vous raconte l'anecdote. J'avais reçu ça dans un colis d'une marque. Alors, c'était pas la marque directement, c'était une marque de produits de beauté, mais qui m'avait fait des petits cadeaux. Et il y avait ça dedans et c'est marqué parfum de saison, assortiment de mélange aromatisé, 20 sachets cristal. Donc moi, je me suis dit... Et puis après, ça se présente comme ça.
J'avais senti, j'avais dit, waouh, ouais, ça sent trop bon, c'est trop bien. Justement, j'en cherchais des sachets pour aromatiser mes placards et mes tiroirs. Du coup, Nini 2, j'ai tout ouvert, j'ai tout mis dans mes culottes, dans mes chaussettes, dans mes soutifs, blablabla, tiroir par-ci, tiroir par-là. Et après, je me dis, quand même, la taille des sachets, elle est bizarre. Pourquoi c'est marqué tisane dessus? En fait, c'est des sachets de thé. Voilà. Du coup, je les ai retirés de mes culottes et mes chaussettes et je les ai remis dans la boîte. C'est une abonnée qui m'a envoyé ça. J'ai reçu 7 boucles d'oreilles là, 2 petites comme ça, toutes mignonnes. Et ça, pour la cheville. J'adore en été. Ouais, l'été, c'est sympa, ouais. Sur les plages, t'as ici. Les peaux bronzées. Bref, sur ce, je vais terminer le vlog ici. Léna, déjà, il est 7h15. Elle avait pas fait la sieste aujourd'hui. Du coup, elle était bien fatiguée. Eliam est au bain en bas avec Joanne. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Et dans tous les cas, on se retrouve demain pour le prochain. Ciao.